Alléluia. Acclamez Jésus. Amen. Hein? Si quelqu'un vient pour la toute première fois ici, il peut être étonné de nous voir que nous sommes en train de danser. Amen. Il peut être étonné. Peut-être toi qui nous vois à la télévision pour la première fois, tu peux être étonné que comment ces gens-là, ils sont dans une salle de Dieu et puis ils dansent. Mais nous dansons parce que en Jésus-Christ, il y a la joie. Amen. Peut-être que toi qui nous regardes dans la télévision, tu es assis dans un coin, tu es triste, accablé de problèmes. Mais nous, quand nous sommes devant Jésus, tous les problèmes tombent et nous sommes dans la joie. C'est pour cela que quand nous lisons dans la Bible, on nous dit qu'un grand roi qui s'appelait David a dansé dans la rue devant ton peuple. Parce qu'il connaissait ce Dieu-là qui donne la victoire et qui donne la joie. Amen. Hein? Nous sommes au centre Peniel mondial. Là où les hommes qui étaient détruits par le diable sont restaurés et deviennent des hommes hein, nouveaux. Parce que lorsque Jacob est parti chez son oncle là-bas, on l'a détruit. Il a travaillé 14 ans pour avoir un maigre salaire. On l'a trompé. Mais lorsqu'il a décidé de revenir, de rentrer chez lui, en cours de route, il a rencontré Jésus et il est devenu un homme nouveau. Son nom a changé. Il est devenu Israël. Sa démarche a changé. Il a commencé à marcher comme Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Donc ici, nous sommes au centre Peniel où nous devons devenir des hommes nouveaux. La fois dernière, je vous ai rappelé que notre objectif ici, c'est de présenter chaque homme à Dieu devenu parfait en Jésus-Christ. Et nous avons vu que être parfait en Jésus-Christ, c'est être un homme nouveau. Et nous avons vu qu'un homme nouveau, on devient un homme nouveau par la création, la récréation que Dieu fait d'un homme à partir de la sainteté, à partir de la justice qui sont produits par la vérité. Et nous avons rappelé que un homme nouveau, c'est un homme libre, libéré, délivré. Et nous avons aussi rappelé que pour avoir cette liberté, cette délivrance, cet affranchissement, il faut connaître la vérité. Parce que la Bible déclare dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et si vous êtes affranchi par le Fils, vous êtes réellement libre. La vérité. C'est la base de tout. La vérité. Parce que c'est à partir de la connaissance de la vérité que nous devenons des hommes nouveaux. Alléluia. Et ce qui nous a amené à chercher d'abord à connaître notre identité. Pourquoi nous sommes allés tout droit au but? Parce qu'un homme nouveau doit être nouveau à partir de sa maison. D'abord dans sa maison. S'il n'est pas nouveau dans sa maison, il ne peut pas être nouveau ailleurs. Alléluia. C'est ce que nous sommes partis au commencement. Et nous avons montré quelle était l'identité de l'homme. Et à partir de cette identité, quel était le rôle qu'il devait jouer dans sa maison comme un homme
nouveau. Alléluia. Et nous avons vu que l'identité de l'homme vis-à-vis de Dieu, Dieu a dit qu'il fallait que l'homme soit créé à son image, à sa ressemblance. Amen. Ça, c'est vis-à-vis de Dieu. L'identité de l'homme vis-à-vis de Dieu. L'identité maintenant de l'homme vis-à-vis de sa maison. Dans sa maison, nous avons vu que Dieu a dit, l'homme est le chef de la maison. Et qu'il ne devait pas vivre seul. Il lui fallait une aide semblable à lui. Et Dieu a défini maintenant comment cet homme-là, qu'il a créé à sa ressemblance, devait vivre avec l'aide semblable que Dieu a créé pour lui. Amen. Et nous avons expliqué comment Dieu a établi les relations qu'il devait avoir entre l'homme et la femme dans la maison. Une relation d'amour et de soumission. L'homme doit aimer et la femme doit se soumettre. Une relation qui n'est pas une relation charnelle, mais une relation automatique établie par Dieu. Parce que l'amour n'est pas charnel. L'amour vient de Dieu. Donc la soumission de la femme n'est pas une soumission charnelle. C'est une soumission qui vient aussi de Dieu. Et entre les deux, il y a une relation. Et nous avons démontré cette relation. Parce que la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Et nous avons pris le cas du soleil et de la fleur tournesol. Et nous avons démontré cette relation. Et je compléterai dans cette relation que quand vous regardez maintenant, la fleur tournesol avec le soleil, quand le soleil brille, vous regardez le tournesol qui tourne vers le soleil, vous regardez qui commence à se ressembler. Le tournesol ressemble au soleil. Donc mon frère, ma soeur, si dans votre union, vous voulez que ta femme devienne comme toi, même physiquement, établissez cette relation. Vous allez voir qu'après quelques années, quand on regarde ta femme, on dit que vous êtes des sœurs et frères. Vous vous ressemblez. Parce que les tournesols, à force de regarder le soleil, deviennent comme le soleil. Alléluia. Et nous avons parlé de ça. Nous avons dit aussi que dans le rôle que l'homme doit jouer dans sa maison, c'est très important. Pourquoi nous venons? Parce que c'est la base. Quand tout va à la maison, tout va partout. Quand tout va à la maison, tout va partout. C'est la base. C'est pour ça que nous avons commencé par ce commencement. Et nous avons dit que l'homme, non seulement il doit aimer, mais il doit purifier et sanctifier la femme. Purifier et sanctifier la femme. Alléluia. C'est de ça que nous avons parlé aujourd'hui. Comment l'homme doit-il purifier sa femme dans la maison? Comment l'homme doit-il sanctifier sa femme dans la maison? Parce que lorsque la femme devient pure et que la femme devient sanctifiée, leur union devient réellement l'image de Christ avec l'Église.
Parce que Jésus, qui est appelé le mari de l'Église, s'est sacrifié pour purifier l'Église et pour sanctifier l'Église. Donc l'homme aussi doit être prêt même jusqu'à faire des sacrifices pour purifier sa femme et pour sanctifier sa femme. Alléluia. Et nous allons voir tout de suite pourquoi nous avons parlé beaucoup de la vérité. Parce que si l'homme ne comprend pas ça, l'utilité de la vérité, il ne pourra pas purifier sa femme, il ne pourra pas sanctifier sa femme. Nous avons vu que la connaissance de la vérité, c'est quoi? Connaître la vérité, c'est quoi? Parce que la Bible dit, vous connaissez la vérité vous enfranchira. Mais connaître la vérité, c'est quoi? Nous avons vu que connaître la vérité, c'est d'abord connaître la parole de Dieu. C'est la connaissance de la parole de Dieu. Nous avons vu aussi que connaître la vérité, c'est se connaître soi-même. Se connaître soi-même. Et en fait, troisièmement, nous avons vu que connaître la vérité, c'est vivre la vérité. Et aimer la vérité. C'est ça, la connaissance de la vérité. Vous connaissez la vérité. C'est connaître les trois choses. Connaître la vérité, c'est avoir la connaissance de la parole de Dieu. Deuxièmement, c'est avoir la connaissance de soi-même. Et troisièmement, aimer et vivre la vérité. C'est là où j'ai dit qu'il faut aimer et vivre la vérité, c'est-à-dire il faut que tes oreilles se réjouissent d'entendre la vérité. Et il faut que ta bouche, de ta bouche, ne sorte que la vérité. C'est ça, aimer et vivre la vérité. Amen. Et nous avons vu que c'est très important. Parce que si tu ne fais pas ces trois choses, tu ne sauras pas purifier ta femme, tu ne sauras pas sanctifier ta femme. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans le livre des Nombres, au chapitre 30, nous lisons du verset 3 au verset 17. C'est très long, mais c'est important. Nous allons aller. Parce que nous, ce sont des choses que nous devons comprendre. Nous sommes en train d'aller en profondeur maintenant. Parce que nous voulons vivre la véritable vie en Christ. Nous voulons devenir des hommes parfaits en Jésus-Christ. Il est écrit : lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable, et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle sera liée n'auront aucune valeur. Et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux ou s'être lié par une parole échappée de ses lèvres, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables, et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance,
Il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Le vœu d'une femme veuve ou répudiée, l'engagement quelconque par lequel elle se sera liée, sera valable pour elle. Lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera de vœux ou se liera par un serment, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables et tous les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari les annule le jour où il en a connaissance, tout vœu et tout engagement sorti de ses lèvres n'auront aucune valeur, son mari les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Son mari peut ratifier et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à affliger son âme. S'il garde de jour en jour le silence envers elle, il ratifie ainsi tout le vœu ou tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il en a eu connaissance. Mais s'il les annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable du péché de sa femme. Telles sont les lois que l'Éternel prescrivit à Moïse entre un mari et sa femme, entre un père et sa fille, lorsqu'elle est dans sa jeunesse et à la maison de son père. Amen. Amen. Acclamez Jésus. Ici, nous sommes sur un problème très capital. La délivrance de la femme de ce qu'elle aura prononcé de sa bouche. Quand vous lisez attentivement ce texte, vous voyez qu'il n'y a que deux personnes qui peuvent faire la délivrance de la femme, qui peuvent détruire tout ce qui lie la femme, tout ce qui retient la femme captive: son père ou son mari. Autrement dit, pour qu'une femme soit délivrée, soit déliée des engagements, des serments, des paroles qu'elle aura prononcées, ces liens, il faut qu'elle les dise, si elle est encore dans la maison de son père. Elle doit le dire à son père, si son père évidemment est un chrétien, et que son père annule cela par une prière d'autorité. Si elle est déjà dans le mariage et qu'elle aura fait même ce qu'elle aura prononcé avant de se marier, qu'elle n'a jamais dit, maintenant elle est au mariage, pour qu'elle soit délivrée de tous ses liens, que tous ces liens puissent être détruits, il faut qu'elle le dise à son mari. Et c'est son mari qui doit détruire ça. Est-ce que vous me suivez? C'est la loi. Vous allez me dire, c'est la loi de Moïse, c'est passé, Jésus est venu. Non. Jésus a dit, il n'est pas venu abolir la loi, il est venu accomplir la loi. Amen. Elle dit que Jésus est venu pour que nous puissions comprendre la loi spirituellement et non charnellement. C'est là où j'ai dit, nous sommes responsables dans nos maisons de peut-être des problèmes que nous vivons nous-mêmes avec nos femmes, que nos femmes vivent, parce que nous ne voulons pas entendre la vérité. C'est pour ça que j'ai insisté que pour être enfranchi, il faut connaître la vérité dans les trois dimensions que j'ai données. Connaître la parole de Dieu, se connaître soi-même et aimer vivre la vérité. C'est-à-dire se réjouir d'entendre la vérité. Et de ta bouche ne sortit que la vérité.
jeunes filles dans la jeunesse, ils peuvent dire n'importe quoi. La Bible dit même des paroles échappées de sa bouche, la lit. Il était à l'école avec un voisin, un garçon gentil, qui était gentil avec elle. Et puis elle dit, bon, toi tu es vraiment gentil, je serai ta femme. C'est sorti, échappé, parole échappée, je serai ta femme. C'est parti. Si cette fille grandit, même si il ne se marie pas avec cet homme, cet homme sera son mari de nuit. Parce qu'elle a fait un vœu. C'est sorti. La parole lui a échappé de la bouche. Et si cet homme-là est un grand sorcier, ça va être grave. Si cet homme-là devient un grand sataniste, ça va être très grave. Vous allez avoir des problèmes que vous ne savez pas l'origine. Ni elle, ni toi, vous ne savez pas. Or que c'était une petite parole qui lui a échappé de la bouche à un moment donné de sa vie. Alléluia. Si elle a promis des choses, il y a des femmes qui ont fait des pactes avec quelqu'un. Non, maman, on s'aime beaucoup, elle s'est liée avec quelqu'un dans une relation où ils sont allés jusqu'à se connaître. Et puis, ils se sont même fait des incisions, ils ont mis du sang de chacun, a pris le sang, léché le sang de chacun. Un serment, un engagement de sang. La parole de Dieu dit, il faut qu'elle le dise à son mari pour que son mari annule cela, détruise cela. Donc pour que tu puisses purifier ta femme, il faut que tu arrives à écouter qu'elle te dise tout ce qu'elle a fait. Elle doit te le dire. Tout ce qu'elle a fait. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui va annuler ça. Il n'y a que toi. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Il n'y a que toi qui dois annuler ça. Donc il faut accepter qu'elle te dise ça. Mais si toi tu n'aimes pas attendre la vérité, comment tu vas purifier ta femme? Tu n'y veux pas. Oh non, j'étais épousé. Ton passé, c'est ton passé. Et moi, mon passé, c'est ton passé. Maintenant, vivons ensemble. Hein? Vous ne savez pas que ça ne peut pas venir. Ça va vous poursuivre. Ça va vous perturber dans votre union. Ça va vous créer des problèmes. Le passé. Le passé n'est pas passé. La Bible dit, lorsqu'elle aura prononcé, elle est liée. Il faut les délier. Alléluia. Dieu voit que c'est dire. Hein? Mais ne vous passez pas là. Si nous voulons avoir un foyer sanctifié, un foyer purifié, nous devons accepter la vérité. Et vous pouvez dire, même quand elle est dans le mariage, si elle a fait quelque chose, et c'est lié. Elle doit te dire. Donc tu dois entendre. Tu dois accepter d'entendre. Tu dois accepter d'écouter. Si ta femme t'a trompé pendant que vous êtes déjà marié, elle est allée faire une liaison avec un autre homme. Cette liaison-là, qui n'est pas une, qui est en dehors de la volonté de Dieu, doit être détruite. Parce qu'elle a créé des liens spirituels qui vont vous perturber. Alléluia. Alléluia. Donc l'homme doit accepter la vérité et il doit prendre autorité. Un homme nouveau, ça, il n'y a pas de problème. Parce que pour un homme nouveau, lui, la vérité, c'est sa nourriture quotidienne. Il doit écouter ça. Il doit attendre ça. Il doit être maintenant pour sa femme un pasteur
qui va l'amener, amener sa femme à la délivrance. Il doit avoir compassion de sa femme. Parce que ces choses, elle l'a fait sans connaissance des choses, de ce que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui. Dans l'ignorance, elle a fait des vœux, elle a fait des engagements, elle a fait des serments. Dans l'ignorance. Alors, toi, homme nouveau, maintenant, tu as un objectif. Ton objectif, c'est de vivre comme un homme devenu parfait en Jésus-Christ. Un homme délivré, vivre dans un foyer sanctifié, purifié. Donc, il faut accepter que la femme te dise la vérité. Qu'elle te dise la vérité. Qu'est-ce qu'elle a fait? Peut-être qu'elle a fait des fétiches pour t'avoir. Peut-être qu'elle a fait des fétiches pour te garder. Tout ça, ce sont des liens. Ce sont des liens. Il faut accepter qu'elle te dise tout ce qu'elle a fait. Alléluia. Purifier. La Bible dit, Christ a aimé l'église pour la purifier, la sanctifier, afin que l'église paraisse sans rite ni tâche. Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 23. Et quand le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alléluia. Un homme nouveau doit purifier sa femme. Un homme nouveau doit sanctifier. Mais purifier, c'est-à-dire l'amener à la délivrance complète, à la délivrance totale. Elle a fait des serments. Peut-être qu'elle a fait des serments dans la sorcellerie. Elle a été initiée dans la sorcellerie. Elle a fait des serments. Elle a accepté. Elle doit te le dire. Parce qu'il y en a qui ont fait consciemment. Il y en a qu'on a initié consciemment. Il y en a qu'on a fait l'initiation sans réellement dire à quoi elle s'engageait. Mais c'était dans la sorcellerie. On lui fait des initiations, mais elle ne sait pas à quoi elle s'engage, mais c'est dans la sorcellerie. Alléluia. Elle doit te le dire. Tout ce qu'elle a fait, toute initiation, tout engagement, tout ce qu'elle a prononcé de sa bouche, qu'il a lié, qu'il a engagé, elle doit te le dire. Parce que la Bible est claire, il n'y a que le mari qui doit annuler ça. Ce n'est pas le curaire, ce n'est pas la formatrice, c'est toi-même. Alléluia. Alléluia. C'est toi-même. Il y a des frères vraiment que j'aime. Il y a un missionnaire qui aujourd'hui est en Italie. Quand il a épousé sa femme était... Avant, était deuxième bureau d'une autorité. Et puis, quand la femme est venue au ministère, elle a laissé le deuxième bureau. Elle a grandi. Et le frère l'a épousé. Mais quand le frère l'a épousé, comme le frère savait qu'elle était la femme de tel, chaque soir, elle faisait passer sa femme à la délivrance de cet homme-là. Tous les soirs, il détruisait dans sa femme les liens avec cet homme-là. Parce qu'affinement, elles ont vécu comme femme et mari. Donc, elle a prononcé beaucoup de mots.
qui l'ont lié à cet homme-là. Alléluia. Purifier la femme. Et pour ça, il faut accepter la vérité. Il faut accepter la vérité. Il y a un autre frère qui a commencé à se révolter. Ah, tout ça, je ne savais pas qu'elle a connu beaucoup d'hommes comme ça. Parce que sa femme lui a dit, j'ai connu tel homme. 15. Maintenant, elle est désemparée. Non, je ne savais pas ça. Tu dois accepter. Tu l'as marié. Maintenant, il faut la purifier. Parce que la Bible dit, ce que Jésus a purifié, tu ne peux plus le prendre comme essuyé. Alléluia. Il faut purifier. Pour purifier, il faut écouter la vérité. Il faut connaître la vérité. Alors pour ceux qui sont encore fiancés, je vous demande de beaucoup prier pour que, avant le mariage, vous disiez toutes les vérités, que vous acceptiez, que vous disiez toutes les vérités avant de se marier. Parce que vous avez encore la grâce de ne pas encore, de n'être pas marié. Mais nous, on s'est mariés dans l'ignorance, dans l'hypocrisie la plus totale. Personne ne disait rien. Alléluia. Alors vous qui êtes encore fiancé, vous avez la connaissance maintenant. Avant, amenez l'un et l'autre à dire la vérité. Aimez à écouter la vérité. Engagez-vous dans la vérité. Alléluia. Alléluia. Alors il y a beaucoup dans la maison, beaucoup dans les maisons, il y a des problèmes de femmes de nuit, de maris de nuit, à cause de cette histoire-là. Pourquoi? Parce que la femme est bloquée, elle ne sait pas dire à son mari, le mari est méchant, si je lui dis, elle va me taper, il va me chasser, elle est bloquée, elle ne dit rien. Et vous avez des problèmes de femmes de nuit, de maris de nuit, dans la maison, qui vous compliquent la vie pour rien. Alléluia. Il faut accepter la vérité. C'est la vérité. Il n'y a pas autre chose qui peut vous rendre libre, qui peut vous donner la joie. C'est la vérité. La vérité. Amen. 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 Parce que nous les hommes, nous croyons que vraiment les femmes ne peuvent rien faire. Nous sommes les chefs, comme on nous a dit que nous sommes les chefs. Donc, on ne peut pas accepter qu'une femme a fait quelque chose. Non. Une femme, elle a été aussi créée à l'image de Dieu comme toi. Et le diable, elle a attaqué aussi comme le diable t'attaque. Si toi, tu tombes dans l'impudicité, c'est normal aussi que la femme tombe aussi dans l'impudicité. Parce que vous avez la même chair. Alléluia. Donc il faut accepter qu'elle te dise la vérité. Mais nous, les hommes, c'est compliqué. Les hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des hommes tellement jaloux que la femme a même peur de partir avec son mari. Que voilà, quand j'étais dans la rue aujourd'hui, il y a un homme qui m'a apostrophé. Il a peur de dire ça. Parce que l'homme est tellement jaloux que si elle dit ça, non. Pourquoi tu me dis ça? Donc tu as été avec lui. Okay. C'est normal. Vous devez parler de tout derrière. Elle est une femme. Tu l'as pris, tu l'as aimé, c'est qu'elle est jolie. Donc un autre homme aussi peut l'avoir jolie. Donc c'est normal que quand elle part dans la rue, quelqu'un lui dit, oh, sœur, comme tout le monde s'appelle sœur maintenant ici. Oh, sœur, vous êtes marié. C'est normal. Mais si on l'a apostrophé comme ça, qu'elle vient te dire, voilà, aujourd'hui vraiment, hein, dans la rue, là, il y a quelqu'un qui m'a apostrophé. Et rigoler ensemble, soyez dans la joie. Alléluia. Amen. Soyez dans la joie que, ah, donc ma femme, il y a quand même d'autres qui la trouvent belle comme moi. Soyez dans la joie. Mais il y a des gens
impossible. Si tu dis ça, c'est grave. Mais de tout, elle peut même taper la femme. Amen. Hein? La vérité. C'est très important. Et si on nous a dit, donc pour les femmes, mais t'es aussi, tu peux avoir tes filles à la maison. Il faut habituer tes filles à te dire tout. Parce que si on dit que c'est le père, si une fille s'engage, bon, ce n'est pas sa mère. Parce que tu vois, et là, je voudrais toucher vraiment un peu. Parce que quand une fille est engrossée dans la maison, tous les problèmes, c'est la maman. Mais ici, on nous dit que celui qui doit délivrer, c'est le père. Ce n'est pas la maman. C'est lui qui doit délivrer les liens. Les liens, si les jeunes filles ont pris un engagement, c'est le papa. Ce n'est pas la maman. Alors, si toi, tu es chez Michel, tes filles ont peur de te dire des choses. Tu ne bavardes pas avec les filles. On ne te dit rien. Tu vas te retrouver un jour seulement qu'elle est grosse. Et tu commences à te fâcher. Oh, je vais vous chasser. Toi et votre maman. Qu'est-ce que la maman a fait? C'est toi qui devais délivrer. Alléluia. Parce qu'ici on dit, si elle est encore dans la maison de son père, elle doit dire à son père, et c'est son père qui doit détruire ses liens. Mais si elle est dans la maison de son mari, c'est son mari qui doit détruire. Amen. Hein? Purifier la femme. Quand vous arrivez à cette relation de purification, vous allez vraiment vers une maison de joie. Donc, on nous a dit ici, donc, l'église doit être purifiée et sanctifiée. Sanctifiée. Comment sanctifier sa femme? Alléluia. On nous dit, première chose pour sanctifier la femme, c'est de faire ce qui lui plaît, ce qui plaît à la femme, et qui est conforme à la volonté de Dieu. C'est-à-dire prendre soin d'elle. C'est la première chose pour sanctifier la femme. Tout ce que tu dois faire pour ta femme, tu dois faire ce qui lui plaît, mais ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Nous, heureusement, on nous a dit cette année que nous devons renouveler l'intelligence pour discerner ce qui est conforme à la volonté parfaite de Dieu. Pour discerner la volonté parfaite de Dieu. Parce que tu dois, tout ce que tu dois faire pour ta femme doit être conforme à la volonté parfaite de Dieu. Tu dois faire des choses qui lui plaisent, qui lui font plaisir. Mais ces choses-là doivent être conformes à la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ces choses-là doivent être conformes à la volonté parfaite de Dieu. Parce que si tu ne fais pas référence à la volonté parfaite de Dieu, tu risques de lui faire des choses qui lui font plaisir, mais qui vont vous amener tous vers les ténèbres. Supposons que tu épouses une femme qui a envie l'expérience de voir des films porno. Maintenant, elle te demande de faire l'amour avec elle de façon que les films porno font. Alors tu dis, bon, pour faire plaisir à ma femme, moi, je vais faire avec lui l'amour contre nature, ce que la Bible dit, amour contre nature. Elle a plaisir, elle a beaucoup de plaisir. Tu es content parce qu'elle a beaucoup de... Non, ce n'est pas conforme à la volonté parfaite de Dieu. Tu dois lui faire plaisir, mais il faut que ce plaisir que tu lui fasses, que tu lui fais, soit conforme à la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Parce que là aussi, les hommes tombent facilement. On met ton sexe dans ma bouche. On fait ceci, même dans la nous. Oh. La parole défend ces choses. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Qu'on mette le sexe dans la bouche, dans la nous, dans je ne sais pas où encore. Alléluia. Amen. Oh, j'aime qu'on fasse l'amour à trois. Je vais amener une autre jeune fille, hein, comme ça on sera en trois. Oh. Et beaucoup de femmes qui ont poussé les maris à avoir deuxième, troisième bureau sont des femmes comme ça. Elle a plaisir de voir son mari avec les autres femmes. Ça lui fait plaisir. Mais c'est contre la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Donc pour sanctifier ta femme, tu dois faire des choses qui lui font plaisir, mais qui sont conformes à la volonté parfaite de Dieu. Donc nous devons renouveler l'intelligence pour discerner ce qui est la volonté parfaite de Dieu. Pour sanctifier ta femme, tu dois aussi, deuxièmement, lui parler. Parler. Il faut savoir parler à ta femme. Alléluia. Il faut parler à ta femme. Il ne faut pas être taciturne. Même si tu es taciturne à l'extérieur, hein, mais quand tu es avec ta femme, parle. Même si tu n'as pas l'habitude de parler, tu n'as pas la facilité de parler quand tu es à l'extérieur, quand tu es avec des amis, mais quand tu es avec ta femme, hein, parle. Il faut parler. Pourquoi c'est nécessaire? Parce que si tu ne lui parles pas, tu ne vas pas la sanctifier. Parce que la femme, les oreilles de la femme, hein, ce ne sont pas comme les oreilles des hommes. Les oreilles de la femme aiment entendre la parole. Aiment entendre des mots gentils. Aiment entendre des compliments. Alors, si toi, tu ne parles pas pour lui faire des compliments, pour lui parler des mots très gentils, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver, ce qui est arrivé à Adam. Le serpent va lui parler. Alléluia. Le serpent va lui parler. Parce que toi, il ne parle pas. Adam, comme il a trouvé que bon, vraiment, Dieu lui a donné une charge. PDG de l'univers, il devait gérer toute la créature. Il devait donner des noms. Oui, cet arbre, cet animal, c'est le léopard. Tous les jours, à tout moment. Quand sa femme voulait venir, non, tu ne vois pas qu'il soit en train de travailler. Et ça, c'est l'antilope. Oh. Alors, la femme, il n'y a personne pour lui parler. Le serpent a vu ça. Le serpent est venu lui dire. Est-ce que réellement on a défendu? La femme a dit, ah, il s'intéresse à moi. Il veut que je mange. Il me propose à manger. Elle regarde les fruits que le serpent lui propose. Ah, c'est beau. Parce que toi, tu n'as jamais amené de fruits. Alléluia. Et comment t'as dit, mais c'est beau. Tu as laissé le temps au serpent de parler à ta femme. Tu ne dois pas laisser le temps. Tu dois parler. Et quand tu parles à la femme, il faut qu'il entende. Il faut calculer. Tu sais que tu vas sortir à 8 heures pour aller au service. Alléluia. Tu vas aller à 8h au service, tu vas revenir pour ceux qui ont la facilité à 12h. 4h. Avant de partir à 8h,
Il faut que tu parles des mots qui vont occuper ses pensées pendant 4 heures. Parce que là, elle n'aura pas le temps d'écouter les serpents. Elle n'aura pas le temps d'écouter les serpents. Les mots-là que tu as laissés commenceront à tourner dans la tête. Ça tourne comme une musique. Comme une musique. Elle n'a pas le temps d'écouter les serpents. Alléluia. Hein? D'ailleurs, elle devient très méchante envers les serpents. Avant de sortir, tu te chamais, mais pourquoi tu n'as pas fait? On sort mes chaussettes, tu vois, tu n'es comme des femmes comme ça, vraiment. Et tu sors, tu pars au travail. Mais tu as laissé vide n'importe quel serpent qui va venir pour lui parler, va trouver de la place. Alléluia. Alléluia. Si il n'a pas de chaussettes pour porter le matin, dis chérie, je vois vraiment que tu es surmené. Il n'y a pas quelqu'un pour t'aider. Non, je vais t'aider, ne t'en fais pas. On va s'arranger pour trouver quelqu'un. Ne t'en fais pas. Elle est calme. Et tu n'as pas reproché parce que les chaussettes n'étaient pas à leur place. Tu as eu compassion d'elle. Alléluia. Alléluia. Quand tu la laisses, quand tu as calculé des mots comme ça, maintenant quand elle reste, elle est à la cuisine, en train de cuisiner, toujours les pensées, les mots la viennent, elle chante. Donc, même la cuisine qu'elle fait, toujours en pensant à toi, ça dit que la cuisine c'est pour toi. La cuisine là c'est pour toi. Amen. Hein? Amen. Hein? Parler. Même si tu ne parles pas beaucoup, quand tu es avec ta femme, parle. Pour ne pas laisser la place au serpent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vas laisser la place au serpent, qu'est-ce qui va arriver? Ça, nous verrons plus tard, parce que nous verrons des couples, plusieurs couples, comment ils ont vécu, vous allez voir. On commence par le premier couple, Ève et Adam. Ça va vous amener dans la catastrophe. Il faut parler pour sanctifier ta femme. Parce que quand tu vas parler, toi, les paroles que tu vas donner, ce n'est pas en dehors de la Bible, ce n'est pas en dehors de la volonté de Dieu. Tu vas prononcer des paroles qui sont dans la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Un jour, j'étais en train de lire la Bible. Je vais vous dire ce qui m'est arrivé. Vous savez, moi, comme la première église où je suis entré, c'est les pentecôtistes. Mais les pentecôtistes disent la pire, là. Hein, les femmes ne doivent pas porter des bijoux, ne doivent pas se maquiller, tout ça. Bon. Alors, moi, j'étais contre le maquillage des femmes. Alors, un jour, j'étais en train de lire la Bible. Et c'est dans la Bible que j'ai compris pourquoi les femmes mettent les rouges ici dans les joues. Dans la Bible. Alléluia. Hein? Cantique des cantiques. Il est dit ceci. Il dit, ma jolie, tes joues sont comme la moitié de la grenade. Vous connaissez les fruits qu'on appelle grenades? Où on tire la grenadine? C'est rouge, non? Les joues sont comme la moitié de la graine. Voilà pourquoi les femmes mettent les rouges ici. C'est biblique. Lisez dans Cantique de Cantique. Amen. Hein?
Vous allez trouver ça. Alléluia. Donc, il faut que tu lui dises des mots qui sont dans la Bible. Des mots qui sont conformes à la volonté de Dieu. Il ne faut pas aller inventer des mots que ton grand-père fait. Non. Des mots qui sont dans la Bible. Alors, ça, quand j'ai vu ça, David, dit, ah bon, donc c'est biblique, bon, tu peux te maquiller, il n'y a pas de problème. Alléluia. Donc, parlez. Parlez à la femme. Il y a des gens qui ratent même des femmes que Dieu les a envoyées parce qu'ils ne savent même pas dire à la femme que je t'aime. Il voit qu'il a envie une jeune fille, il veut l'épouser, mais il ne sait pas parler. C'est pas parler. Il faut savoir parler à la femme. Alléluia. La Bible dit, lorsque la fille de Jacob a été enlevée, c'était un enlèvement. La fille pouvait être troublée et effrayée. La Bible dit que lorsque le fils du roi de Shishem a parlé à la fille de Jacob, il a si parlé à son cœur. Vous comprenez? Il ne pouvait pas la marier parce que c'était un païen, donc il ne pouvait pas se marier. Mais quand on l'a enlevé, quand ce garçon a parlé à la fille, la Bible dit qu'il a si parlé au cœur de la fille de Jacob. Donc la fille de Jacob a accepté de le marier. C'est ce qu'il a dit. Il faut te présenter chez mes parents. C'est comme ça que Shishem est venu avec son fils, avec tout le peuple, pour demander la main de la fille de Jacob. Il a si parlé à son cœur. Pourtant, c'était un enlèvement. Il faut savoir parler au cœur de la femme. Si tu veux avoir une fiancée, il faut savoir parler. Alléluia. N'allez pas dire des bêtises. Oh, c'est-à-dire que le Saint-Esprit m'a convaincu. Que le Saint-Esprit nous a convaincu. Parlez à son cœur. Quel est le Saint-Esprit qui t'a convaincu? Tu veux la femme, tu la vis. Va parler à son cœur. Alléluia. Vous savez, il y a des femmes qui discernent ça vite, hein. Il y a une question de maintenant a des intentions. Alors, elle va te tourmenter. Comme si il voit que toi, tu ne sais pas parler, elle va te tourmenter. Elle va te tourmenter. Tu vas avoir des tourments. Parce que tu es bloqué, tu ne sais pas parler, tu ne sais pas lui dire que tu veux d'elle, que tu l'aimes et que tu veux en faire une femme. Non. Un jour, si elle attend longtemps et si vraiment elle t'a déjà accepté, un jour elle t'a dit, mais t'es à côté de Sanga, l'eau batte. Ne me dérange pas, parle seulement. Parle. Alléluia. Il faut savoir parler. Pour sanctifier la femme, non seulement parler, mais il faut être capable de l'enseigner et de la former. L'enseigner et la former. Genèse 3, verset 16, on peut lire. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 3,
verset 16, il est écrit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Amen. Tes désirs se porteront sur ton mari. Donc, il faut que l'homme puisse enseigner la femme, puisse la former. Pourquoi? Parce que dans le jardin d'Éden, c'est l'homme qui a été créé le premier. Donc, c'est l'homme qui a reçu les instructions dédiées, les premiers. Maintenant, la femme est venue après. Il fallait donc que l'homme qui a reçu les instructions puisse enseigner sa femme ces instructions, la former. Lorsque tu as une femme à la maison, il ne faut pas te borner toujours à la critiquer. Tu ne sais pas faire ceci, tu ne sais pas faire. Enseignez-la d'abord. Alléluia. Enseignez-la. Formez-la. Voilà, ceci, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, moi, ce que j'aime, c'est ça. Hein? Formez-la. Ne commencez pas à constater qu'elle ne connaît pas ça, elle ne connaît pas ceci, elle ne connaît pas. Non. Ses désirs vont se porter sur toi. C'est à toi à l'enseigner. C'est à toi à la former. Voilà, quand nous allons. Quand nous sommes en public, voilà, il faut se tenir comme ça. Quand nous sommes avec les gens, il faut parler comme ça. Il ne faut pas faire ceci. C'est toi qui dois l'enseigner. C'est toi qui la formes. Quand tu vas la former, quand tu vas l'enseigner et qu'elle ne sait pas mettre en application cela, c'est à ce moment-là que tu peux te fâcher. Hausser le ton pour l'amener à prendre conscience. Mais il faut d'abord la former. Il faut d'abord l'enseigner. Alléluia. Parce que l'enseignement que tu vas lui donner en tant qu'homme nouveau, c'est un enseignement basé sur la Bible, sur la parole de Dieu. Donc tu vas la sanctifier. En lui donnant la connaissance de la parole de Dieu, tu augmentes sa sanctification. Alléluia. Il faut enseigner. On doit avoir la patience pour enseigner nos femmes. Et je vous dis, quel que soit son niveau intellectuel, la femme a besoin que tu l'enseignes, que tu la formes. Même si tous les deux vous êtes sortis ingénieurs, elle a besoin que tu la formes, que tu l'enseignes. Je vais vous donner un témoignage. Un jour, nous étions à Bruxelles, je suis allé voir, rendre visite à un couple. Ce couple-là, tous les deux étudiants. La femme était étudiante, l'homme était étudiant. Je suis allé rendre visite, c'est des amis vraiment très proches. J'arrive, je trouve tous les deux boudés, celui-là dans son coin, celle-là dans son coin. Je jette un peu un coup d'œil, je regarde qu'il y a des assiettes sales qui attassées. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Je n'ai pas demandé. J'ai seulement commencé à parler à cause de. Je voudrais dire, vraiment, nous les hommes, nous avons beaucoup de travail. Hein? Les femmes. Faut toujours leur parler, leur dire les choses, leur montrer, répondre. Quand elle pose la question, il faut répondre. T'as la femme qui éclate. Oui, c'est ça. Il ne répond pas. Je suis en train d'utiliser, de lui poser la question, qu'est-ce que ça signifie ces mots? Il ne répond pas. Quand il a posé la question, qu'est-ce que tu dis ces mots? Si sa table travaille, il y a un gros dictionnaire comme ça. Donc, elle n'a pas le temps d'ouvrir le dictionnaire pour voir la signification de ces mots. Il faut que son mari lui réponde.
Est-ce que vous comprenez? Son désir pour se protéger son mari. C'est-à-dire qu'il faut tous les deux universités, tous les deux sur leur bureau de travail, celui-là a un gros dictionnaire, celui-là a un gros dictionnaire. Donc si tu as besoin de connaître ce qui signifie un mot, tu prends le dictionnaire, tu ouvres, tu lis. Non. Pour la femme, non. Tu dois poser la question à son mari. Ah, elle me dit, mais oui, c'est lui mon papa, c'est lui, il doit me répondre. C'est ça la femme. Il ne faut pas raisonner. Alléluia. Il ne faut pas dire, mais toi aussi tu es docteur, non? Non. Même si elle est docteur comme toi, docteur, tu dois l'enseigner, tu dois lui répondre. Alléluia. C'est ça la femme. Et la femme a besoin de ça. Elle a besoin de ça. Tu dois l'enseigner, tu dois la former. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire encore pour sanctifier ta femme? Lisons d'abord la Proverbe 31, 20, verset 28. Proverbe 31, verset 28. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes. 31, verset 28. Il est écrit, ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Amen. Amen. C'est-à-dire quoi? Il faut faire ressortir à toute occasion ce qui est positif dans ta femme et qui est conforme à la volonté de Dieu. Toujours conforme à la volonté de Dieu. À toute occasion, n'hésitez pas de dire ce qui est positif en elle, de lui faire des louanges. À toute occasion. La femme a besoin de compliments, il faut lui faire des compliments à toute occasion. Quand elle s'habille, tu dois être le premier à la regarder. Tu es bien habillé. Cette tenue-là te va très bien. Des compliments. Si tu n'as pas dit ça à la maison, supposons que vous allez dans une fête. Hein? Vous vous habillez tous les deux. Bon, dans la précipitation, vous sortez. Tu n'as pas regardé, tu n'as pas dit. Maintenant, vous arrivez à la fête. Quelqu'un lui dit, ah madame, tu es bien habillée. Quand vous allez revenir, toi tu n'as pas vu, mais lui il a vu. Alléluia. Donc il faut, ces choses, il faut faire attention. Pour le compliment. Regardez là, avant de sortir. Chérie, une minute, je te regarde. Elle est contente. Elle commence à tourner, faire des filles de monde devant toi. Tu dis, c'est très bien. Alléluia. Ça, c'est du côté des hommes. Mais du côté des femmes, songi, songi. Quand elles vont voir, toi, ah, tu es bien habillé. Est-ce que ton mari a vu ça? Qu'est-ce que ton mari a dit? Il demande, hein? Les autres femmes là. Quand elle trouve une autre femme, elle est là, elle était bien habillée. Ah, vraiment, tu es bien habillée. Est-ce que ton mari a vu? Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est ça, les causeries entre elles. Alléluia. Si Daniel dit, ah, lui il ne voit rien, il ne dit rien. Il ne dit rien. Les femmes ont besoin de compliments. Elle a bien préparé la nourriture. Quand tu manges avec joie, dis chérie, ma nourriture est très bonne. C'est très bon. Je mange avec appétit. Il ne faut pas que tu attends qu'elle-même vienne te demander. C'est bon?
Mais tu ne vois pas que je mange. Ça, ce n'est pas une réponse pour une femme. Tu décourages la femme. Alléluia. Et quand la femme est découragée, elle est dans la tristesse, elle n'est pas sanctifiée. Parce qu'elle va être dans la colère, dans l'énervement, elle n'est plus sanctifiée. Elle n'est plus en état de sanctification. Mais si tu veux la maintenir dans un état de sanctification, il faut maintenir, entretenir la joie. Amen. Nous allons lire dans Éphésiens 5, versets 25 et 26. Dans la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens 5, versets 25 à 26. Il est écrit, « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Amen. Amen. Tu dois intercéder pour ta femme, pour sa sanctification. Tu dois intercéder. Dans ta prière, tu ne peux pas oublier ta femme. Tu dois intercéder pour elle. Seigneur, soutiens ma femme, sanctifie-la. Fortifie-la, tu dois intercéder. Mais cette intercession que tu dois faire pour ta femme doit réellement être une intercession de l'amour. Parce qu'il y a des gens, il entre dans la chambre, il intercède au Seigneur, ma femme est colérique, je voudrais que tu enlèves la colère. Et puis tu sors, tu commences à te chamailler avec elle. Ça, ce n'est pas une intercession. Alléluia. Il faut vraiment intercéder. Et quand on intercède, on a la compassion de la personne à qui, pour qui on intercède. On a la compassion. Donc l'homme doit intercéder pour sa femme. Comme la femme aussi, mais ça, ce n'est pas notre problème ici. Ici, nous parlons entre nous, hommes. L'homme doit intercéder pour sa femme. Pour son salut, pour sa sanctification, pour tout, pour sa croissance, on doit intercéder. Alléluia. Et enfin, si tu veux que ta femme soit sanctifiée dans la maison, il y a une tâche que tu dois absolument remplir. Nous lisons dans Proverbe 6, verset 20. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, chapitre 6, verset 20. Il est écrit, « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Amen. » Voilà la division du travail dans la maison. Pour que tous les deux parents puissent se démêler de la sanctification, c'est que chacun remplisse son rôle.